I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Salut toi. Salut toi. Bon les amis, vous avez vu Mika, les 10K, ça n'a pas parlé chinois. Il a offert les deux cartos, il a offert le Ronin. Enfin, il a fait gagner. Le Ronin, il faut qu'il vienne le récupérer, c'est ça? Demain normalement. Bon bah tu vois, c'est une bonté. C'est une bonté. Ça ne parle pas chinois. On vous filmera à Shiftech quand ils viendront faire leur petite carto du Seigneur. Et là, il a 15K Mika. Donc là, on est parti sur 20 cartos. Non, 15 cartos. Non mais pour les vainqueurs on va faire un truc sale, tu vois. Un truc sale. Mais en tout cas c'est cool de voir jouer le jeu comme ça les amis, franchement je vous remercie de ouf. Aujourd'hui je pense que vous avez vu dans le titre ce qui va se passer, ça va être génial. Hein. J'ai du mal à y croire, j'ai pas trop bien dormi cette nuit. Parce que je me suis dit, j'arrêtais pas de me dire putain, est-ce que c'est vrai, tu vois. Je me suis réveillé en me disant, oh putain, c'est un cauchemar ou c'est un vieux rêve. Et après, je me suis dit, mais non. Donc, cool. Donc, on attend. Attends, on n'est pas rendu à la maison encore. Donc, voilà. En tout cas, dès qu'on arrive devant l'engin, on vous montre ça, les amis. Ça va être sale. Regarde ça. 90 chevaux de plaisir. Regarde ça. Le volant phase 2, le volant 4 branches. Normalement c'est un volant une branche sur les BX. Ça c'est pris que là et le volant il fait tout le tour vide. Là hier j'ai changé une petite sphère à l'avant qui cassait les couilles. Donc là elle est un peu plus molle. J'ai remis un peu de LHM. 4 pneus neufs, plaquettes, vidange, filtre, nanani nanana. Hein. Attention mon pote. Là on n'a pas lésiné frère. Là la BX, nous on est arrivé chez Citroën, on a dit allez on fait tout mec. Alors on fait quoi monsieur sur la voiture? J'ai dit on fait tout. En biellage et tout mec. Ils nous ont refait la boîte de vitesse et tout, on a tout refait à neuf. J'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, hein, en tout cas on a fait une belle révision. Une belle révision. Hop, hop, pas plus de 2000. On l'a fait chauffer. Voilà, regarde, tu pars sur la troisième, c'est du plaisir. La quatrième, c'est l'extase. Et ensuite, tu passes la cinquième et c'est la finition. Et t'es heureux comme un pape. Les vitres teintées, tac. Comme ça, les gens, ils sont pas trop là, tu sais, à venir, à dire « Oh, la voiture de sport !»« Oh là là, mais quel engin, mais quel millésime !» Tu vois, donc t'es pas trop emmerdé, tu vois, avec les vitres teintées. Et puis après, c'est vraiment que du plaisir, quoi. On n'est pas là, on n'est pas dans le délire de la grosse carto, le gros turbo hybride, les 4 cheminées en l'air et tout, le swap et tout. Non, là c'est vraiment d'origine, on kiffe, c'est tout. T'as vu? C'est comme sur une bonne BM là, au lieu de faire taper le phare. Tac. Tout ce que XM, tout ce qui est à se faire, tout véhicule avec suspension hydraulique et tout, directement je le vois. Hop, le petit bonjour. Ah, mec, on est une communauté. Mais toi, tu sais pas, toi. Toi t'es là, tu vois une BX, tu te dis tiens, c'est moitié une Testarossa, on sait pas trop ce que c'est. Ah frère, millésime, parle pas avec moi. C'est les voitures normalement, t'es là, les femmes carrément. Et pourtant, je vais te dire, en vent mon pote, tu te balades en vent comme ça, les femmes partout. Elles sont là, elles courent, le clignotant, pff, tac, paf, dans le péteux tout. Mais alors en BX mon pote, pff, oh là, je peux même pas te parler. Je vais même pas te le dire. Je vais même pas te le dire parce que t'aurais pas le droit de diffuser ce que je vais dire sur internet. Ah mais je te le dis Mika. Enfin, je suis pas là pour blaguer. Une BX comme ça, c'est n'importe quoi normalement. Et carrément tu suicides devant toi carrément. Elle monte dans l'auto carrément. Le boursin qui jaillit partout. Ah, toi t'es là. Ah, laissez-moi conduire la BX.
hop, là tu fais ça direct, tu fais ça, paf, faut mettre les sphères en haut parce que tellement il y a de femmes dans l'auto, t'es obligé de la monter la voiture. Sinon la voiture elle est tassée, elle est embutée dans les différents blocs. Et là mec, c'est ça, c'est le pare-brise partout, t'es là toi à l'intérieur, t'es avec le boursin, flash, flash et tout, t'ouvres la portière, une bassine de boursin qui tombe par terre, c'est n'importe quoi mec. C'est la magie du millésime. C'est la magie du millésime. Ah putain. Quel con. Quel con celui-là. Y aller. Alors les filles. Hey hey hey. Salut les filles. Ah mince, crois que j'ai pas les cheveux. Chou. Mon copain guette là. Apprends l'immatriculation, je veux dire qu'elle a suivi l'auto là. Première sortie et s'arrête net. Là elle se dit, elle, là elles sont en train de se dire les deux femmes. Elle se dit maman quel homme dans l'auto là. Elle se dit quel homme, quel jabot dans l'auto. Elles se disent oh là 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 là. Maman le béquet sport tout. Oh carrément t'es un inondation sur le siège. Je le dis. Net. C'est plus une femme, c'est une éponge. D'ailleurs Steven, est-ce que t'as vu que tu nous as fait une petite apparition dans l'énergie de boiserie? Non mais il se gratte les couilles. Il se gratte les couilles. Ah oui, j'avais une cacahuète qui était bloquée. Donc aujourd'hui tu nous feras plaisir, promis, tu te gratteras, tu te gratteras. Franchement, ils ont fait l'énergie de boiserie, c'est des génies. Mais bon, en même temps il s'est gratté les couilles frère. Est-ce que t'as vu le montage? Bon, bah voilà, ça y est. T'es mal la grosseur du truc. On est arrivé. Je crois qu'on est, on y est. Putain, il est énorme. Ah ouais. Oh le Scania. Scania R620. Ça, le camion là, qui craque. Ça fait 620 chevaux et 3000 Nm le Scania là. Alors, et il y en a qui mettent des échappements là-dessus. J'ai déjà vu des routiers mettre des échappements là-dessus. Et le truc, mais ça claque frère. Non mais c'est un truc de fou mec. C'est... Non mais ça fait vraiment un... C'est énorme. Bah alors mon petit Lulu. Bah écoute... T'es content ou pas? Bah oui. Laisse tomber normalement. Ah putain, je suis refait. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Qu'est-ce qu'on va rigoler? Qu'est-ce qu'on va faire comme connerie avec ça? Oh non. T'as mon boîte ici ou pas? Le truc de fou. Normal. T'imagines le truc de malade, la taille que ça fait quoi? Oh là là. Je crois que les gens ils se rendent pas compte. Non. Parce qu'en vidéo et en fait c'est pas du tout pareil quand même. Même nous on se rend pas compte quand on l'aura devant chez moi là. Il va être beau pour passer le portail. On va le manger le portail carrément. C'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche. C'est un truc de fou. 3000 Nm le camion. Là. C'est un 620 chevaux. Moi je m'en bats les couilles mon gars, je te fais reportage sans frontières. Avec la clope. Avec la clope. En train de brûler le micro chibron. Ça va être bien pour aller chercher le pain. Ouais grave. Bah, je me demande combien de garde à vue ça va me coûter. Et en plus ça fait un moment que j'y suis pas allé là. Là je me dis oh là là, ça va être la merde encore. Pas besoin de vérifier si les rampes elles sont mises. Ouais, ça va des coups. Thank you.
aller chercher le pain le dimanche matin, ou quand on va venir mener notre combat, c'est toute l'année ce combat contre les teufeurs qui viennent ici. C'est ici, il y a des teufeurs qui viennent s'injecter de la kétamine, je le répéterai jamais assez. Et avant on venait, tu vois, on avait toujours un petit 4x4 qui traînait. Tu vois, on arrivait, on disait, ouais les gars, ramassez vos seringues quand même, c'est la moindre des choses, tu vois. Et tu vois, regarde, viens voir. Exemple tout con, viens voir Mika. Bon, ils ont mis leur mégot dedans. Donc ils ont quand même fait un premier pas, tu vois. Mais c'est quand même des bâtards, tu vois. Ils font ça, regarde le briquet là. Qu'on va encore venir ramasser comme on fait tout le temps. Là pareil, au pied de l'arbre, il y a plein de merde, de papier d'aluminium et tout. Les gens, ils respectent rien, frère. Alors maintenant, on a décidé de mener une guerre contre tous ces petits jeunes qui venaient faire la fête et qui ramassaient pas leur merde. Donc maintenant, souvent la nuit, on arrive avec une caisse, avec un petit 4x4, on arrive, on leur fait un peu peur et tout. Là maintenant, c'est avec ça qu'on va arriver. Et on va rouler sur là où ils sont. C'est-à-dire qu'on va écraser leur feu, leur truc, on va arriver comme ça. Et on va leur tout leur faire ramasser, frère. On va lui dire, ramasse le con de ta race. Qu'est-ce que t'en penses, Mika, de mon petit Monster Truck? Je pense que ce soir, on va finir en garde à vue. Oh putain, quel engin. Il est énorme, il est énorme. Mets-toi à côté, Lulu, là, qu'on se rende compte un peu. Oh putain, sérieux quoi. Ah, moi c'était mon rêve depuis longtemps, les gars. Moi j'ai beaucoup de rêves. Mais putain, j'ai quand même une sale chatte. J'en réalise beaucoup. C'est beaucoup de travail, hein. Tu sais, les gens ils voient sur YouTube, ils se disent, oh lui, oh le fils à papa, ou le riche, ou machin, ou truc. Ah mec, on se tue à la tâche, hein. Les gens ils savent pas, ils me voient faire le gogol avec un chibron sur le front, tu vois. Ils savent pas qu'on se couche tous les soirs à 2-3 heures du mat, tu vois. Mais bon, on bosse. Donc c'est cool, tu vois. Mais moi je suis content, au lieu de mettre ma thune. J'allais dire dans des conneries, mais là il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça s'en est une. T'es mal, tellement il est gros, il rentre pas dans le cadre le truc. Non mais je veux dire, moi au lieu de faire, tu sais, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui feraient n'importe quoi, tu sais, qui passent leur argent dans les soirées, dans l'alcool, dans le truc. Moi c'est pas mon délire, tu vois. Et je suis sûr que si je fais le ratio du non-fumeur que je suis et du gars qui boit pas d'alcool qu'on a jamais bu, si je fais le ratio du prix des bouteilles et du tabac et du machin, je suis sûr que je pourrais même en acheter 4, tu vois. C'est pas faux. C'est sûr. Donc bon, je me rassure comme ça, hein. Mais non, je suis trop content, mec. Quand j'étais petit, moi, on allait au bord de la mer et tout, et c'était notre rêve. Et on était venu, et c'était terminé quand on était venu, et c'était une grande frustration pour moi. Parce qu'on avait croisé les 4x4 sur les Monster Trucks, sur les remorques et tout. Et quand on est arrivé, ils en faisaient plus. Et donc, énorme frustration, t'imagines bien. Et j'ai toujours rêvé d'un Monster Truck. Mais j'en rêvais pas, j'y pensais pas la nuit, parce que je me disais, c'est inaccessible pour moi, tu vois. Et putain, aujourd'hui, ça le fait, quoi. Trop ouf. Et voilà. Je referai une vidéo, les amis, plus détaillée, parce qu'on va en faire pas mal. Je pense là, c'est le début d'un joli périple. Hein, on va lui faire une grosse déco boiserie. On va lui faire une grosse révision. On va parler un peu mécanique et tout, tu vois. Parce que là, en plus, on peut carrément pas aller dans la mécanique avec la caméra, tu vois. Et il y a des trucs hyper intéressants dessus, des trucs hyper spécifiques que j'ai envie de raconter. Je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui kiffent le côté un peu mécanique, un peu conception, comment ça a été fait, comment ça fonctionne, pourquoi il y a 12 ponts, tu vois. Donc voilà. Et en tout cas, c'est un putain de kiff, quoi. On va pas en faire vraiment quelque chose d'utile, ça c'est vrai par contre. Ma mère, elle m'a dit, mais tu vas en faire quoi? J'ai dit, maman, j'ai acheté un Monster Truck. Elle me dit, oh mortel, mais tu vas faire quoi avec? J'ai dit, bah... Il va finir en bibelot dans ma chambre. J'ai dit, bah... Oh putain, bonne question quand même. J'ai dit, je m'en bats les couilles, je veux l'acheter. C'est... Voilà, vas-y. Ça, il y en a pas en plus, ça se trouve pas ces trucs-là. Et voilà. Donc tu vois, on a des jolis pneumatiques. En 750-65-26. Oh les pneus de ouf. Michelin, hein. T'imagines bien, frère, que c'est 3 mois de salaire quand tu crèves, là. Là, tu crèves pas. Là, tu ne crèves pas. Oh, putain, le truc de ouf. Bon, tu montes à l'intérieur, Mika? Allez. C'est parti, je te montre l'intérieur rouge. C'est parti. C'est une beauté incroyable, l'intérieur. Je vais t'aider, si tu veux, à monter. Tiens, prends la cam. Elle est où, l'échelle? Il n'y a pas d'échelle. Tu mets ton pied sur un crampon. Oh putain le truc. Oh ben hey, on va pas arracher le panneau de porte tout de suite, hein. Non mais mets-toi sur le par là, Mika. Allez, envoie le bordel. Envoyez boule. Oh, plus de batterie. On est bien.
Putain. Et je savais. Je savais normalement. J'ai dit putain la batterie je l'ai ramenée, je suis quand même confiant tu vois. Putain, faut aller chercher la batterie. Bah là tu vois bien, petit intérieur classique de Ford F250. Là c'est du 4x4 américain par excellence. Intérieur rouge, si tu veux me brouter. Les sièges sont ultra confortables. T'es dedans mon gars, c'est trop bien. Et puis tu sais, c'est un peu comme les intérieurs de Porsche. Quand ils font un intérieur rouge, ils font tout rouge. Là, il y a le sol, le tableau de bord, les trucs, même les ceintures. Les panneaux de porte et tout, ils mettent même les ceintures. Toujours mettre sa ceinture de sécurité, hyper important. Surtout dans des conditions pareilles. Toujours mettre sa ceinture. C'est... Là, faut ne jamais... Ta gueule. Regarde ça, on est pas bien là. Petite boîte automatique. Boîte auto, normalement, avec sélection au volant. Ici, la boîte de transfert. Vitesse lente, vitesse courte. Si tu veux commencer à taper des petits 0 à 100, tu vois, une petite Vmax, tu vois. Et puis voilà quoi. Le moteur, c'est un V8, un gros V8 de 5 litres 8 essence. C'est pour ça que je compte bien sur ShiftTech. Alors là, on rencontre un autre problème, c'est qu'on peut pas le passer au banc. Ou sinon, il faudrait péter les cloisons entre les deux murs et mettre une roue sur chaque banc. T'sais. Déjà, il passe pas la porte. Et puis, mais je compte sur mon petit Médo pour qu'il vienne me pouiller une petite carte au éthanol, tu vois. Qu'on puisse lui gauger la gueule d'éthanol. Voilà quoi. Et puis voilà. Il faudra que je mette un autoradio là avec de la musique comme là. Enna. Puis le petit garrot derrière pour voir les copains ou les femmes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que derrière. On va mettre une bâche dans la benne, on va remplir d'eau, jacuzzi, plein de femmes là-dedans. Ambulant. Oh le chip gamin, maman comme la bielle du CRF, lustré. On va être bien. On va remplir sa dos, là, on va se poser là-dedans mon copain, on va être au max. Bon ça fait un peu de bruit, mais il manque un silencieux. Là il fait vraiment beaucoup de bruit, moi ce que je vais faire c'est que je vais lui remettre un silencieux. Il crachera peut-être un peu moins de flammes, mais au moins on pourra s'entendre plus. Et on pourra plus faire des longs trajets, tu vois. Genre aller dans Paris, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Aller sur les terrains de cross avec les motos dans la benne. Oh la beauté. La M5 à côté, pipitcha. Bon les amis, vous avez vu mon nouveau jouet, qui est quand même assez gros quand même, hein. il est quand même pas petit. Je vous referai une petite vidéo plus détaillée parce qu'il y a un aspect mécanique hyper intéressant sur tous les bons, les boîtes de transfert, l'amortissement, comment ça a été fait, etc. Parce que c'est la personne à qui je l'ai acheté, c'est lui qui l'a fabriqué. En fait, il est parti de la caisse du pick-up américain. Et avec une énorme adaptation, beaucoup de mécanique et tout, et c'est vraiment hyper intéressant et moi ça me passionne aussi. Donc voilà, et on va se retrouver forcément sur des vidéos intéressantes. Je suis pressé, tu sais, qu'on fasse des petites boutiques éphémères dans un champ, qu'on emmène des TDS, qu'on roule dessus. Ah, ça va être quelque chose, ne t'inquiète pas, je suis pressé de vous emmener dedans. Vous vous rappelez la petite vidéo où je disais dans le manoir, si un jour j'arrive à en avoir un, c'est avec mes abonnés que j'ai envie de kiffer. Donc vous inquiétez pas, à tous les rendez-vous il y aura des abonnés, il sera là frère et on fera de la merde avec. Là on va remettre de l'essence parce qu'on est tombé en panne. Le comble. Et puis on va s'amuser un petit peu avec. Et puis on va retourner bosser parce que faut les payer les engins comme ça mon père. En tout cas, regarde la taille de l'entonnoir. Tiens mon chef. En tout cas les amis, c'est encore une fois grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce au fait que vous me soutenez comme des oufs comme ça, qu'on peut faire ce genre de délire. Et voilà, moi il est là, il est dans mon jardin, je vais pas en faire tout seul frère, tu vois ce que je veux dire. Moi ce que je veux, encore une fois, les moments où je kiffe le plus avec mes abonnés. Un jour, dans un champ, on aura une énorme butte en terre et des TDS frère, et ça sera avec mes abonnés qu'on les défoncera les caisses, tu vois. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont sortir là-dessus. On va faire un covering, un machin et tout le bordel, on va faire plein de conneries. En tout cas... C'est grâce à vos abonnements et tout ça que ce genre de choses est réalisable et c'est avec vous que j'ai envie de kiffer. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. On va bientôt être 600 000 et puis dans pas très longtemps, on sera 1 million, frère. Tu m'as craché dessus, frère. Excuse-moi. Donc voilà, non, c'est vraiment important. Voilà. Puis c'est gratuit, bordel de merde. Allez, je vous dis
tempête. Et oubliez pas de m'ajouter sur Instagram aussi. Après, plus t'as du monde, c'est stylé, tu sais, pour serrer des gadgets. Parce que j'aimerais bien, tu vois, mettre une petite piscine dans la benne avec plein de femmes. Tu vois, pour ça, il me faut du monde sur Instagram. Tu vois, c'est, t'arrives, t'as 400 000 abonnés, là j'ai 331, on dit, oh, 300 000, oh, il a 504, ça commence à... Les mi, je commence à s'y garder, c'est ce que je veux dire, mon copain. Allez, tempête.